Yo les fighters, alors la vidéo très importante si tu veux évoluer, c'est la punition. Donc en fait, il y a un stade pour gagner les combats. Il faut pas louper les punitions. Donc là, je vais te montrer un exemple très concret. Le truc que t'as pas le droit de louper, genre c'est le truc le plus facile. Par exemple, je me protège d'un Shoryuken version EX en plus. Donc là, tac, bam, 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 bam. Voilà, ça je ne peux pas rater ça. Tu le cueilles, tu te protèges et tu le cueilles à l'arrivée. Si je peux faire une autre variante, enfin il y a plein de variantes que je peux faire. Hein. Si je fais ça par exemple, et hop, et que je fais ça, voilà, et bah ça va le diriger plus vers le corner. Donc dans l'angle de l'écran, là où il sera moins avantagé. Voilà, autre exemple. Hadoken. Donc il est fait en général bon, à longue distance ou à mi-distance. Il peut être fait de très près, mais dans un combo en fait. Mais pas comme ça. Donc on va essayer. Voilà, donc là, moi j'ai une technique qui me permet de passer à travers. Donc si je sais qui fait le Hadoken et que je suis assez près pour le faire. Et bah ça passe, sachant que quand il met les mains en avant, je peux toucher ses mains en fait. Donc voilà, donc c'est possible, je peux faire un coup de tête. Voilà, je peux le punir au coup de poing. Voilà, je peux le punir au coup de poing comme ça. Je peux le punir au coup de pied. Voilà. Voilà, c'est des exemples avec Zangief, hein, du coup. Mais avec ton personnage, voilà, il faut que tu trouves, faut que tu testes toutes les possibilités de punition. Ceux qui font le plus mal, ceux qui permettent de mettre en corner. Voilà, tester des variantes. Donc ensuite, avec le Hadoken, ce que je peux faire d'autre, oui, bah, punir un Hadoken, c'est carrément sauter, hein. Ça lag. Voilà, ça peut être puni par un saut directement. Et hop, le bas gros pied. Bah franchement, c'est voilà, c'est le béaba aussi. Hop, voilà. Tout simplement. Donc après, un truc un peu différent maintenant, on va voir, c'est une punition anticipée, bah un peu comme on a vu pour le Hadoken, hein, là. On a fait un test tout à l'heure. Voilà. Donc là, une punition anticipée, ça veut dire que je sais qui va faire cette technique-là, et donc je vais mettre en avant mon plan de punition. Comme le cerveau anticipe, en fait, c'est possible. Donc, regarde, je te fais la démo rapido. Là, je chope comme ça. Si j'ai pas le temps de réagir, ou alors ça fait encore plus mal. Voilà, c'est quand il disparaît, parce que sinon il est safe en fait derrière. Ou alors sinon je vais le armor, voilà, éventuellement avec mon armure, mais sinon voilà, en fait, directement je peux le finir de cette façon là aussi, même en coup de pied, hein, ça marche aussi. Voilà, ça marche. Mince. Bon, c'est une grosse punition parce que là je mets des triggers dedans. Ça fait plutôt mal. Après, on peut mettre carrément la super aussi. Ça marche aussi. C'est la méga punition. Donc voilà, s'il disparaît de manière un peu trop intempestive, eh bien, ou alors je peux faire, mince, je peux faire directement. Hop là! Pile drive directement, ça marche aussi. Voilà, mais là il faut vraiment quand même si c'est rapide à faire, il faut quand même que je l'anticipe. Sinon, hop, je fais ça, c'est efficace.
Voilà, c'est une puce que j'appellerais une punition anticipée en fait. Tout simplement. Donc je vais le mettre en corner. Ah, c'est pas bon. En corner. Hop. Et là j'ai l'avantage sur lui, tu vois. Bon bah voilà, c'était vraiment l'essentiel. Il y a un moment, voilà, pour commencer à gagner quelques combats, parce que c'est quand même très difficile. Pour commencer à gagner, en fait, il faut vraiment déjà ne pas rater donc les punitions, très important. Punir, punir, punir à tout prix. Les punitions les plus subtiles, là je ne le montre pas dans cette vidéo, mais c'est vraiment, ben, là c'est de l'apprentissage après, c'est assez complexe. Il va y avoir bah, certains coups de l'adversaire qui ne seront pas safe. Et donc voilà, il va falloir bah, prendre ces coups-là pour pouvoir punir derrière. Il y a des coups qui ne seront pas punissables très fortement, comme là on a pu le voir, là c'était des grosses punitions. Mais voilà, on peut toujours redonner des attaques sur certaines attaques, même si elles font moins mal. Mais voilà, il y a des petites punitions et des grosses punitions. Et enfin, très important aussi, il faut arrêter de se faire avoir par les cross-up. Donc soit arriver à l'anticiper pour se protéger du bon côté, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est tout simplement d'être toujours prêt à l'entière. Entière, entière, entière. Déjà, toi, tu sautes pas sans arrêt, parce que tu vas te faire avoir par des entières tout le temps. Mais toujours avoir l'œil sur l'adversaire, parce que dès qu'il saute vers toi, tu sais que tu peux le cueillir à l'entière. Il vaut mieux le cueillir à l'entière pour lui faire très mal, plutôt qu'il arrive et tu te protèges. Parce que s'il arrive et tu te protèges, c'est trop tard pour toi. Tu es quasi sûr que tu vas perdre. Donc voilà, c'est vraiment l'essentiel. Et pas oublier aussi quand même quelque chose de très important, parce que là, gagner, c'est un objectif dans le combat. C'est ce qui permet d'évoluer derrière. C'est un but qu'on se donne. Mais toujours garder ce plaisir au final, le plaisir de l'échange. Voilà. C'est vraiment un plaisir d'échanger, c'est toujours un apprentissage. Donc voilà, donc garde le plaisir. Et c'est lui qui va te booster en fait. Ouais, c'est surtout lui qui va te booster parce que tu gardes les idées claires avec le plaisir en fait. Autant la colère, des fois, bah, ça va te booster en termes d'énergie. Mais tu vas être embrouillé. Et finalement, c'est l'autre qui va gagner parce que s'il reste calme en fait, bah, il a les idées claires. Donc il a accès à son intelligence globale. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à garder son calme et toujours à bah, ne jamais abandonner, très important. Mais des fois, il ne te reste pas beaucoup de vie. L'autre, il en a énormément. Tu dis, oh là là, bah non, 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 non. C'est mental. C'est jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et il y a des fois, bah, en fait, tu peux tout remonter. Et là, tu dis, ah bah ouais, en fait, ça peut vraiment... Et inversement, hein, si l'autre, il lui reste un tout petit peu de vie, toi, tu as presque toute ta vie, il faut rester au maximum. Il ne faut pas être en mode, ça va. Parce que si lui va tout remonter. Donc voilà. Allez, ciao. Game over.